chez Vince Capitaine parce que j'ai déjà rencontré David avec Tony, où David avait fait un travail sur la chasse. Allez, salut. Et le Scopitone, là, l'idée, c'est un projet autour des poissons avec Claude et Tony, où les musiciens doivent interagir avec les poissons. Ah, si, je l'ai entendu. Si, j'ai entendu la mer polluée, moi. Tony a écrit des chansons avec Claude et on va travailler là-dessus. Et c'est le premier des premiers. Quoi, ça s'arrête? C'était la fin, en fait. Ouais. Enfin... c'était bien. Ouais. Méchant barracuda, je la trouve amère et salée. Le but, un peu comme toutes les choses que je fais, c'est aux gens de le trouver. Moi, je donne les clés, après je m'en vais. Voilà. Grosso modo, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire, mais quelques gens sont en place. Là, on savait qu'il y aurait l'arbre à poisson. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer. Tu vois, mais on verra pas, Ça va? C'est pas trop long? Ouais. Même sur le plan, tu vois. Il y a quelque chose de complètement spontané qui se fait. C'est pas un truc réfléchi, on improvise, on le fait comme ça. Après, il fait ses cadrages et voilà. Ça se fait comme un peu comme on travaille en sculpture, en se mettant dans l'élément tout de suite. C'était l'occasion de faire un boulot avec d'autres gens, là, avec la musique, pour ce projet-là. Et puis, naturellement, le Scopitone lui-même, qui est dans le délire des trucs que fait David, là, qui poursuit. C'est-à-dire que tous les Scopitones font presque un film, non, comme une espèce de long métrage avec plein de groupes, avec plein d'aventures. C'est du Méliès du début du 21e, quoi. Ok. Okay.